بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابتر 105، باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته وسوى رفقته. Alors, un chapitre, le fait qu'il est défendu, pas gagné droit, prend des temps manger un seul coup. Donc, nous mettons dans le contexte, nous pouvons manger, pas tout seul, mais ensemble avec les autres dimoun. Nous prenons des temps un seul coup, nous mettons dans la bouche, ou soit nous prenons des temps, nous mettons dans la main pour nous manger. Alors, ça n'a pas gagné droit dans la présence de les autres dimoun. Wanahwiha. Et pas ce temps, n'importe qui les autres qualités de nourriture, nous finis par une bonne quantité, comme on dit, à nous garder. Pour qu'ils nous gagnent lit, avant qu'ils les autres prennent lit. Iza akala jama'atan, quand on peut manger dans jama'at, ensemble avec les autres dimoun, illa bi'idni rifqatihi ou sarufqatihi, excepté avec permission, ban dimoun avec lesquels nous peut manger. Alors, hadith, c'est hadith 742, an Jabala ibn Suhaim, rahmatullahi alayhi, un tabi'i qui appelle Jabala ibn Suhaim, قال لجيا أصابنا عام سنة فينا إن لانة كت فينا لا سشرس إك دونك فينا لا فامين لا دام إيه سالانة لا نتي مع ابن الزبير نتي أنسام avec عبد الله بن الزبير رضي الله عنه دونك أن بامي من غران صحابة الزبير ابن العوام نكون لي سي أن بامي من عشرة مبشر رضي الله عنه سجاسو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه les types parmi man abadila man grand sahaba. Alors li astela li la après l'époque rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça tu peux passer dans Koufa dans l'Irak et ça la sécheresse là li ti dans Koufa li ti répand partout et na certain man riwaya dire qu'il y arrive même jusqu'à dans l'Arabie dans Madina. Alors ça ban tabi'in là je te persister ensemble avec Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu fa ruziquna tamran. Alors, fin de nous mange tam. Donc là, nous imaginons un jamaat, que tu as un tam pour manger, quand dans l'époque, la sécheresse, donc ça tam là, il y a beaucoup valeur là. Fakana Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, yamurru bina wa nahnu na'kul. Alors, un lot parmi mon grand sahaba, parmi mon abadila, c'est Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce garçon. Alors, qu'il s'y peut faire, ça tabi'i là, dire, qu'il s'y peut donner l'autre. Quand nous s'y peut manger, il s'y peut donner nous. Qu'il s'y peut donner nous, fayakoul, il s'y peut dire, la tu qarinu. Qarana veut dire, dans ce contexte-là, prendez ensemble. Normalement, nous prenons un, nous manger. Quand il est fini, nous prenons l'autre, nous manger. Et dans le monde, qu'il peut faire, il peut prendre deux ensemble. Attention, il n'est pas gagné. Attention, quand les autres finissent, prend, il n'est pas pour gagner, il finit ramasse deux. Alors ça n'a pas gagné droit. Là, tout qu'arinou, n'a pas prendé ensemble. Fa inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam naha anil ikran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche l'ikran. Ikran veut dire faire des ensemble. Merge. Faire des quelque chose ensemble. Dans ce contexte-là. Hein? Alors, pas gagné droit. Thumma yakoul, après ça, il dit, ça veut dire, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma li jiya illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu, excepté si sa dimon la li prend permission avec son frère. Alors nous get masla la, donc quand dimon peut manger tout seul ben aucun problème, li pense qu'il y a envie tout ça la pour lui. Mais quand li peut manger en jamaat, ça veut dire c'est qu'il a là li pour tout dimon la. Alors li mal élevé pour li prend ça dès ensemble les manger pour ban les autres. Il pas juste question tam, définitivement les questions tam, attention quand les prend dès les autres pas pour gagner. Mais les plus qui ça, c'est une question de mentalité ça. Un musulman pas capable vena sa mentalité égoïste là. Quand un dimon fait ça, il pense juste pour lui là. Il oublie son ban frère qui est autour lui. Donc il fin viole ça l'institution importante qui appelle jamaat là. Il est dans une jamaat. Alors, il finit de faire quelque chose qui compte l'esprit jamaat. Il ne pense juste pour lui. Alors, qui, l'islam qui montre nous. Et il y a une phrase qui nous trouvait beaucoup de fois, beaucoup de hadiths nous lient là-dedans.
اتقوا النار ولو بشق تمره. Nous rappelle ça tout le temps. اتقوا النار, protège-toi contre les feux de l'enfer, ولو بشق تمره, même avec la moitié tamre. L'esprit d'islam qui était. Nous avons un tamre nous peut manger, pas manger net. Mange la moitié, donne un djimoun la moitié là-dedans. Ça, l'esprit d'islam. Ça, l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous montre nous encore, comment nous finissons à prendre un hadith avant. Manger pour un djimoun, il suffit pour deux djimoun ça. Quand on a eu l'assiette manger devant vous, mettre dans la tête qui s'est mangé là, juste la moitié là-dedans suffit pour moi. L'autre la moitié là, et l'autre djimoun qui a mangé ça. Manger pour deux djimoun suffit pour quatre djimoun. Manger pour quatre djimoun suffit pour huit djimoun. Alors l'islam tire sa mentalité avare, tire sa mentalité égoïste, accaparée, accapare ban affaires, blie ban les autres. Mon frère qui persiste à côté moi, devant moi, lui qui arrive. Moi pour finir, prendre, moi pour manger, lui qui peut arriver. Est-ce qu'il est pour gagner? Alors l'esprit de l'islam donne ban djimoun partager. Alors, excepté il a un yasta'dhina ar-rajul akhahu, excepté qui il dit une permission ce frère. Mon capable prend ça, mon capable prend ça aussi. Là, ce frère qui persiste ensemble avec lui pour dire lui prend ou soit non. Et ou soit nous donne instance que peine à la sécheresse, même si peine à la sécheresse, ça n'a pas gain droit. Hein. Là, et à la sécheresse, c'est la famine, ou soit peine à la famine. Nous ne comprenons ces mentalités-là qui ne faudrait pas nous nourrir dans nos la tête. Et là, du monde, lui-même, lui prend, lui met devant nous. Ou on prend une seule, prend encore. Il met deux dans la main, il met trois dans la main. Ça, du monde, là, il donne nous permission. Là, on prend, pas de problème. Donc, si on le retrouve avec deux, trois biscuits dans la main, pas de problème si du monde, là, lui-même, lui met les dans la main. Mais il n'est pas pour bon si vous faites une prendre un, après vous prenez deux, vous prenez trois, vous gardez les, vous soyez mettre dans un récipient. Donc ça, c'est une affaire qui, malheureusement, nous trouvons souvent dans quand on fait iftar ensemble, quand nous mangeons ensemble. Il y a du monde qui manque ça. Ça, c'est sur l'esprit, il y a l'eau, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là-dedans. Comment on peut faire pour gagner ce qui est plus bon, comment on peut faire pour gagner plus beaucoup. Sa mentalité-là qui nous a fini dans nous et dans nos bons enfants. Alors, nous mettons-lui à une plus grande échelle. Alors, il ne faudrait pas nous limiter ça seulement à un temps, mais à n'importe qui qualité nourriture qui est par exemple, nous pouvons manger et nous plaisir bout de la chair, la viande. Alors, un djimoun, il prend une bout, il prend deux bouts, il prend trois bouts, il met devant lui là. Ben, les risques, il gagne ça parce que le problème, sa mentalité là, il ne faudrait pas. Comme ça, nous sommes capables d'étaler n'importe qui élément. Dans le monde, c'est ça même qui peut arriver, qui aujourd'hui où trouve ça débalancement là. Si vous regardez une statistique, vous grimpez jusqu'à 10% du monde dans la famine. Vous réalisez 10% du monde, 10% du monde dans le monde, les fait à peu près 700 millions du monde qui dans la famine. La famine, comme on peut dire, c'est peine à manger. Une levée grand matin, peine à nourrir pour manger. Une al dormi à soir, vente une reste vide. Du monde peut mourir sans manger. Nous pas trouve ça l'image là. Parce que quand on allume télévision, quand on lit une news, je t'ai envie de montrer nous quelque chose qui est joli, joli. Je t'ai envie de montrer nous quelque chose qui soutient nos nafs. Mais réalité, la vérité, pas trouver ça. Alors, ce qui peut arriver dans Yémen. Alors, différentes façons, différentes raisons qui font du monde, là, il y a malnutrition partout. Et il y a une bonne cause, la sécheresse. Mais nous trouvons que la sécheresse-là, il y a une côte du monde riche aussi, ça. Mais je n'ai pas pu manger sans manger. Je t'ai là, je te mangeais. Donc, les vins, le politique, les vins, le tractation, les vins, le commerce, qui peut mal faire, qui est injuste, les vins, l'exploitation, les vins, la colonisation, les vins, la guerre, les vins, le dominer, qui certains peuvent faire, les autres. Alors, vous trouvez qu'il y a certains pays, il y a certains dimons, faire beaucoup de gaspillage. Lié à ça, il peut besoin plus encore. Alors, même si ça pour gâter, il peut être dans sa poubelle, pas faire rien. Il n'est pas connu son voisin qui paye. Na. Encore une fois, nous dit, montrez-nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité une cause mauvaise pour un djimoun qui lit, il dit là, yukmin, il peut pas iman, ça, son iman pas complet. Ça. Qui sont là, il finit manger, son ventre est plein, il finit dormir, alors qui son voisin, il reste ventre vide. Trouvez la mentalité là. Alors dans le monde, ça même qui peut arriver aujourd'hui. Il y a
10% du monde qui mal nourri, qui a la famine, un gros pourcentage encore qui a la vie difficile. Qui fait? Est-ce qu'il peut assez manger dans le monde et n'a suffisamment manger? Si par exemple, nous prenons tout le gaspillage qui dit mon faire, nous ramassons 10 ban gaspillage qui dit mon faire, nous capables de nourrir l'Afrique entière 3 fois. Quand c'est du monde qui est dans l'Afrique, nourrissons entier 3 fois, 10 avec nourriture gaspillage. Et enfin, nous pouvons trouver détruire la nourriture, qui est encore bon, qui fait 10 pour ce prix pas baisser le marché. Alors, dans le monde entier, il y a ça l'esprit, accaparé là. Les bourgains plient beaucoup. Alors, nous pouvons trouver qui, ça siffle monde de nous là, 10, presque 10%, ça siffle là, il n'est pas pas amélioré. Tout bon indicateur peut montrer nous que ça siffle là, il est puis empiré. Soit disant, nous, le monde peut développer là, hein, nous sophistiquer, nous modernes. Mais seulement, sa quantité, sa différence qui est là entre ban qui paye là et ban qui est là, il peut grandir. C'est qui risque peut venir plus riche, c'est qui misère peut venir plus misère, quantité du monde misère peut augmenter. Alors ça, nous supposons, nous, les mondes civilisés là. Alors qui c'est l'islam qui amène civilisation, l'islam qui fait nous montrer nous qui manière pour vivre dans la terre. Alors nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne nous tawfiq. Pas vin man di mon égoïste, pas vin man accaparé. Qui Allah nettoie nous les cœurs, purifie nous les cœurs depuis ça, gourmandise là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un les cœurs qui nous pensent les autres avant, donne nous un les cœurs qui nous partagent, et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous ban proches, nous ban famille depuis sa maladie là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala bénit nous dans ce qu'il donne nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qui. Ce qui nous est là, même les beaucoup ou soit les tigines, nous partager avec ça pour faire libre, pour ce contentement, pour ce satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.